Les cancers liés à l'amiante restent un problème majeur dans l'Union européenne. L'amiante était autrefois largement utilisé dans la construction des sols, des plafonds et des toits, jusqu'à ce qu'il soit interdit par l'Union européenne en 2005. L'exposition à ce minéral peut provoquer un cancer connu sous le nom de mésothélium, qui est principalement classé comme un type de cancer professionnel. Ces symptômes n'apparaissent généralement que plusieurs dizaines d'années après l'exposition. En 2021, 1409 nouveaux cas de mésothélium ont été diagnostiqués, ce qui représente 43% de tous les cancers professionnels. Le taux annuel de diagnostic de mésothélium est resté assez stable entre 2013 et 2021, avec un pic de 1623 cas en 2013 et un creux de 1274 cas en 2020. Entre 2013 et 2021, le mésothélium était le deuxième type de tumeur professionnelle le plus fréquent après le cancer du poumon. En 2021, l'Italie a déclaré le plus grand nombre de décès évitables dus au mésothélium, soit 518 décès, suivis par l'Allemagne et la France.